monde! Okay. Approchez un petit peu peut-être. On veut s'entendre. Merci à tout le monde d'être là, d'avoir répondu à l'appel. On est rassemblés ici à soir contre la répression politique, la répression policière, la répression étatique, le mouvement étudiant, contre la solidarité, contre les hydrocarbures, contre la répression. Encore une fois, l'État nous réprime. Encore une fois, on s'assemble. Encore une fois, on dirait non à la répression. Salut tout le monde! Dès la première journée du printemps 2015, nous avons été accueillis dans la rue par les matraques, les gaz lacrymogènes, les boucliers et les arrestations violentes et arbitraires. Tous les jours, nos camarades ont été brutalisés ou renvoyés de manifestations pacifiques en ambulance. Malgré les dénonciations criantes du travail politique qu'effectue le SPVM, que ce soit via la Commission Ménard, Amnesty International, l'ONU, la Ligue des droits et libertés et maintes défaites en cours pour faute de preuves, la police de Montréal continue d'agir en toute impunité. Nous ne sommes pas sans savoir que la raison en est simple. La police n'a jamais été rien d'autre que les chiens de garde d'un État violent et oppressif. À l'UQAM, ironiquement fondée grâce à l'occupation massive des cégeps en 68 et qu'on aura nommé pour cette raison l'Université du Peuple, la grève a commencé avec un budget d'un demi-million de $ en garde de sécurité, du salissage médiatique de la part du vice-doyen de la Faculté de sciences politiques et droits et la menace de 9 expulsions politiques visant des étudiants et étudiantes profilés pour leur engagement et leur participation sur les instances démocratiques de l'université. À ceux et celles qui souhaitent nous voir nous taire, nous voir nous laisser faire, ouvrez bien les yeux et sachez que nous ne faisons que commencer, parce que lorsque la loi est injustice, la résistance est un devoir et seule la lutte paie. À ceux et celles qui nous voudraient tranquilles, dociles et obéissants, obéissantes, nous répondrons par la colère. Si nous devons nous masquer pour lever des cours, c'est parce que vous aurez criminalisé le droit de grève. Si nous devons nous couvrir le visage pour aller manifester, c'est parce que vous laissez libre cours à une violence politique démesurée, à même les rues d'un pays que vous réclamez encore démocratique. Woo!